and feeling good in the moment. So I'm struggling a little bit with the rain, like everyone is doing now. I try to use as less energy as possible. So the next goal is to go to Paso Stelvio and hope for better weather for this. Aujourd'hui, maintenant, peu importe le pays en Europe où vous vous déplacez, vous avez une itinérance des données et des appels qui fait que c'est, tout est compris dans le forfait et c'est totalement transparent quand on passe d'un pays à l'autre en Europe. Et ça, c'est assez formidable par rapport à ce que ça a été par le passé. C'est un gain de temps, c'est que je pars avec la même puce et elle va me suivre et dans tous les pays d'Europe, j'aurai aucun souci pour communiquer. On utilise plusieurs systèmes de navigation. D'une part, Komoot, il y a Google bien sûr. On rêve que ça puisse fonctionner avec Galileo. Puis Géry ou moi, nous chutons au milieu des Carpates. Eh bien, au lieu de prendre 3 heures avec un GPS, grâce à Galileo, on est convaincu qu'en 10 minutes, on est retrouvé. En fait, l'Europe a permis d'évacuer une série de frontières. Il y a les frontières physiques, il y a les frontières de la monnaie. On est en train de parler d'un système qui nous permet de nous positionner et de naviguer à travers toute l'Europe de manière libre. Et comme ça a été développé par l'Europe, ça nous permet d'être indépendants des systèmes GPS américains, chinois ou russes. C'est une belle initiative. Bonne chance aux prochains SemTrippers qui vont passer par là. La vue est grandiose, hein, et la route, on va dire majestueuse peut-être. Presque, on redescendrait pour le refaire. Mais c'est un peu tard, donc on va plutôt dormir ici. On va plutôt boire une bière. Si on a besoin, on sait, hein, le 112, dans toute l'Europe, on a les urgences, donc il n'y a pas de souci.